mais qui a mis une limite entre la lagune Bruyère et l'océan Atlantique. Ha! Allumez la lumière, s'il vous plaît. Boum! C'est extraordinaire! Le merveilleux Dieu! Le merveilleux Dieu! Dieu est grand, Dieu est fort, Dieu est puissant. Aujourd'hui, nous allons voir ça. Regardez! Regardez! Ça a été filmé. Est-ce que vous en rendez compte? Oh! Il y a donc une limite entre la lagune et l'océan Atlantique. Sérieux? On m'a parlé de ça. Je me suis rendu moi-même sur le lieu et j'ai vu des choses. Oui, j'ai vu des choses. Incroyable, mais vrai. Incroyable, mais vrai. Il y a comme un trait entre eux, en fait, entre ces eaux, entre elles. Il y a comme un trait entre elles. Regardez. Ça, les deux eaux ne. En fait, les deux eaux se repoussent, quoi. Les deux eaux se repoussent. Vous voyez que Dieu a mis une limite de la vie de l'être humain, décidément, non. Et que ces limites-là, l'être humain ne doit pas dépasser ces limites. Est-ce que vous voyez un peu ce dont je veux vous parler ou ce que je veux vous montrer? Regardez, Dieu a créé l'être humain, il lui a donné les 10 commandements. Il lui a dit, il y a le péché, ne pêche pas. Ça, c'est quoi? C'est une limite. Une limite à ne pas franchir. Et l'homme doit obéir à ses ordres. Regardez ici. Ici, Dieu a créé ces deux eaux. Et elle a dit, écoutez, vous ne vous ressemblez pas, restez chez vous. Et ces deux eaux, même si elles sont voisines, elles restent chez elles. Elles ne se touchent pas. Elles peuvent faire tous les mouvements possibles, mais elles ne vont jamais se toucher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même la nature obéit au commandement de Dieu. Même la nature obéit au commandement de Dieu. L'homme, tu es comment? L'homme, tu es comment? Dieu te dit, voici le péché, ne pêche pas, toi tu pêches. Mais quand tu pêches, tu oublies qu'il y a de graves conséquences derrière. Dans la vidéo précédente, nous avons vu une jeune fille de 18 ans qui, après avoir accouché, est allée jeter son bébé dans une poubelle. Cette vidéo pourrait apparaître à la fin de cette vidéo ici sur l'écran. Mais ça fait vraiment flipper. Ça fait peur. Quand vous franchissez les limites établies par Dieu, vous vous exposez à de graves conséquences. Regardez les limites que Dieu a données à ses forces de la nature, à ses créations. Oh, du comment! Et ces créatures de Dieu respectent carrément ses limites. Ça, c'est une chose qui nous montre aujourd'hui que nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons vraiment faire ce que Dieu nous a dit parce que c'est lui le créateur. C'est lui le créateur. Il a mis chaque chose à sa place. Il a créé chaque chose pour un but. Une femme pour un homme pour une femme. Pas le contraire! Écoutez, pas le contraire! Les go, vous là, vous les filles qui dites que vous êtes dans les histoires de lesbianisme et tout ça, vous êtes en train de obéir au règlement de Dieu, aux limites que Dieu vous a données. Si vous continuez dans ça et que vous ne vous répétez pas, il y aura de graves conséquences. De graves conséquences. C'est pas de la blague! Les hommes qui sortent avec les hommes, vous êtes où? Vous êtes en quoi? Vous êtes en paix? Dieu a créé un homme pour une femme. Pas un homme pour un homme. Ou bien une femme pour une autre femme. Vraiment, il y a des limites dans la vie. Hein. Mes frères et sœurs, il y a vraiment des limites. Maintenant, je vais vous faire voir par vous-même ce qui a été filmé, le résultat. Vous voyez déjà les rochers. Ces immenses rochers. Moi-même, je les ai vus de mes propres yeux, je vous assure.
Je suis allé moi-même vérifier parce que ce n'est pas loin de là où je me trouve. Ouais, les gars, parce que Maintenant, regardez ce que ça donne. c'est la limite entre la lagune et l'océan. Oui, dit voici la limite entre la lagune et l'océan. Et regardez. Vous voyez? Il dit, vous voyez? Non, Dieu est fort. Tchit, 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 tchit. Vous voyez? Les deux eaux se croisent, ils se mélangent jamais. Les deux eaux se croisent sans se mélanger. Il dit jamais. Quand Jésus-Christ disait à cette femme, va et ne pêche plus. Ce n'est pas de la blague. La lagune monte, ça monte, vous voyez. La mer aussi, l'espace, elle fait un tronçon au milieu. Vous voyez? Non, Dieu est fort. C'est pourquoi dans la vie, il faut toujours adorer le Seigneur. C'est pourquoi dans la vie, il faut toujours adorer le Seigneur. C'est pourquoi dans la vie, il faut toujours adorer le Seigneur. Dieu a placé des limites partout. Regardez dans le jardin d'Éden. Dieu a dit à Adam, écoute, tu vas manger de tous les fruits qui se trouvent de ce jardin si joli, mais ne mange pas le fruit de cet arbre qui se trouve là-bas. Limite. Ça, c'est une limite. C'est une limite. Une limite à ne pas franchir. Vous voyez ça? Aujourd'hui, c'est le péché qui est devant nous. Les 10 commandements de Dieu sont là. Dieu dit que tu ne vas jamais le laisser pour aller adorer d'autres dieux. Sinon, il va se fâcher. Et toi-même, tu vas voir d'abord, avant qu'il ne se fâche, tu vas voir les conséquences de tes actes. Vous voyez ça? Ce monsieur est sous le choc en voyant cette merveille de Dieu. Et il pense que nous devons vraiment adorer Dieu. Écoute encore. Ouais, les gars, voici la limite entre la lagune et l'océan. Vous voyez? Non, Dieu est fort. Tchit, 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 tchit. Vous voyez? Les deux eaux se croisent, ils se mélangent jamais. La lagune monte, ça monte, vous voyez? La mer aussi, l'espace, elle fait un tronçon au milieu. Vous voyez? Non, Dieu est fort. C'est pourquoi dans la vie, il faut toujours adorer le Seigneur. Car il fait toujours de bonnes choses. Vous voyez? Ça, c'est un miracle de Dieu, ça. Ah ouais. Merci beaucoup, c'était tout pour aujourd'hui. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Le gars, il se réveille et il voit ça. Ouais, les gars, voici la limite. Et il voit, il se dit, mais attendez, il y a une limite entre ces deux eaux. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que Dieu veut nous montrer par là? On dit, il y a l'enfer et il y a le paradis. Qu'est-ce que Dieu veut-il nous montrer par là aussi? On dit, il y a le bien et il y a le mal. Qu'est-ce que Dieu veut-il nous donner comme information par là? Mes frères et sœurs, si vous ne le savez pas, moi je vous le dis ouvertement. Dans cette vie où nous sommes limités. Il y a des choses qu'on ne doit pas voir. Par exemple, on nous dit, n'allez pas chercher à consulter l'esprit des gens qui sont morts. Ça veut dire que c'est possible de le faire. Mais si vous le faites, vous allez vous exposer à de graves conséquences. Oui, ce sont de graves conséquences, de graves conséquences auxquelles vous serez exposé parce que c'est interdit par Dieu. Et Dieu a permis que nous soyons tous informés de ça, en permettant que les livres saints en parlent. Vous voyez ça? Donc, si vous franchissez ces limites-là, il y a des choses qui vont se passer. Tout ce que Dieu demande à l'être humain, c'est d'être obéissant. Entre la lagune et l'océan. Soyez juste obéissant. Vous voyez? Non. Il dit que la limite partout, ne faites pas ce qu'il vous demande de ne pas faire. Dieu est fort. Il ne faut pas faire ce que Dieu vous demande de ne pas faire. Parce qu'il y a des limites. Il y a des limites. Si vous franchissez ces limites, vous allez avoir des tas de problèmes. Même les choses de la nature que nous avons en train de voir
nous prouve que c'est effectivement vrai. Ouais, les gars, voici la limite entre la lagune et l'océan. Vous voyez? Non, Dieu est fort. Vous voyez? Les deux eaux se croisent, ils se mélangent jamais. La lagune monte, ça monte, vous voyez? La mer aussi, l'espace, elle fait un tronçon au milieu. Vous voyez? Non, Dieu est fort. C'est pourquoi dans la vie, il faut toujours adorer le Seigneur. Car il fait toujours de bonnes choses. Vous voyez, ça, c'est un miracle de Dieu, ça. Ce que vous venez de voir et que nous venons de voir, ça nous donne vraiment beaucoup de leçons sur la vie. Dieu existe. Dieu est vraiment réel. Et nous devons obéir à tout ce qu'il nous a dit si on ne veut pas avoir des problèmes. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez. Avez-vous déjà remarqué une chose pareille? Si vous avez remarqué même deux choses pareilles, écrivez-moi tout ça en commentaire pour que j'aille jeter un coup d'œil là-dessus. Peut-être ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. C'est à vous de jouer. Maintenant, si vous n'êtes pas loin de tel endroit, faites une vidéo et postez sur les réseaux sociaux. Envoyez-moi le lien, je vais aller voir. Ok, c'est à vous de jouer. C'est parti. Mais n'oubliez pas d'obéir à la parole de Dieu. Parce que seule obéissance vous conduira vers la gloire du Dieu Tout-Puissant.